Alors voilà, découverte de Monsieur Henry, tout à fait au fond du trou, enterré dans la terre, un nouveau piège à loup. Voilà, ça a dû être un blaireau ou un renard qui s'est fait attraper et qui a réussi à ramper jusqu'à là au fond. Incroyable ça. C'était un investissement, la chasse au renard. Oh là 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 là. Et voilà, et là j'attends que le thermomètre se mette à sa température. Il est quand même assez lent. Là, j'ai pris tout à l'heure et j'ai pas assez attendu. Donc, Léo a attendu suffisamment au trou du piège à loup, le premier. Et c'est 13,8. Moi, j'ai pas assez attendu. J'en étais arrivé à 24,6. 25,6. Non, je raconte des conneries. 15,6. Voilà. On va voir cette fois-ci. Alors voilà, ça c'est le front. On est à près du front. Il y a Henri qui s'excite. Il est en train d'essayer de passer, de voir plus loin. Et apparemment, bon. Il est plus optimiste que tout à l'heure. Oui, oui, il a vu que ça s'élargissait un peu après. Qu'est-ce qu'il pensait, oui. Ça c'est Henri. Génial, génial. Après, ah, c'est nul. Trois quarts d'heure après, oh super. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ton lit, comme on dit, comme on fait son lit, on se couche. Attends, mais il y a un truc pas mal là pour ce que tu fais. C'est ça. Regarde, je t'envoie ça. Regarde, ce petit bidon. Tu le remplis bêtement et tu... Et c'est facile à remplir le sac après avec. Faire travailler les abrégés. Comment ça les abrégés? Non, les agrégés. Oh là là. Bon, tu as vu la partie à fumer sur la paroi? Ouais, mais en fait, il y a plusieurs trucs qui pourraient être intéressants. À fumer? Ouais. Eh bien, tu fais ce que tu veux. Par contre, tu regardes, tu dois avoir des ligatures un peu au fond du sac pour pouvoir relier si les fils sont passés. Tu fais ce que tu veux, tu le vois. Hein. Après, tu verras le résultat. C'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que tu penses que je peux faire péter plusieurs en même temps? Ah, tu... Que je montre après à sa maman. Qu'est-ce qu'on lui fait faire? Tu peux effacer un bras, une épaule? Où? Toi, là. Il est où, Léo? On peut avoir droit à un sourire. Tu vois, t'as... Voilà. Eh bien, bon courage. Puis si ça marche pas bien, ça fait rien, tu recommences. Non, mais là, il faut qu'il recule. Là, c'est bien. Là, on a été trop avancé, c'est pour ça. Oui, mais tu peux regarder. Mais là, peut-être pas. Ça va un peu mieux. Oui, pour voir. Enfin, pour les angles des trous, tu regardes un peu là, la forme des lames pour pas percer, tu vois, en travers. Ouais. Parce que si tu t'approches trop près d'une paroi, ça va partir du fond et ça ne fera rien. Là, ce n'est pas tes bottes que tu veux faire. Moi, je suis spécialisé dans les bottes de spéléo, là. Ouais. T'as vibrant là, t'as le truc vibrant déjà là. Ça c'est dans ce sens là, c'est pas mal. Voilà, comme ça c'est pas mal. Ouais, là, comme ça c'est pas mal. Si t'as la place, elle va le faire fou. Ouais, oui, il a la place là. C'est qu'il faut qu'il recule. Ouais, c'est ça. Attends, je t'ai mis dans le bon sens. Je t'ai levé la sécurité, je t'ai mis le truc dans le bon sens. Comme tu es là peut-être. Là, ouais. Ah, il va vite le trouver, il faudra qu'on se recule. T'as un tuyau pour vider là? Oui, il est dedans le tuyau. Ou dans le sac, au fait, ouais. Ah, je suis spécialisé dans les fesses et dans les bottes. Tout ça pour vous montrer ça. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau, mais c'est où? Ah, là, voilà. Les inclusions qu'on peut avoir dans des formes, on ne sait pas de quoi d'ailleurs. Vous voyez? Oh! Alors de ce jaune là, jaune cadmium, c'est la même couleur que ma,
que ma peinture jaune de la truelle, eh ben, il y a beaucoup de coulées de calcite, de galets calcifiés qui sont faits avec ça. Ça n'a pas l'air d'être très... couleur bien réelle, ça. Ah, là, c'est mieux, voilà. On voit rien, là, tu vois rien, non? C'est vrai, on voit comme ça, tu vois rien. Vas-y. Tu le dis. Deux. Oh putain. Une caméra à moi, ici. Deux. On va faire comme ça, en reculant. Hein. Et le bébé, il est où le bébé? Là, là, devant toi, tu le vois pas? Je vois rien, je vois les pieds, moi. Les genoux. Là, là. Je le vois. Il peut le pousser, non? Là, j'ai placé deux. Là, regarde ça. Quoi, ce gros machin là? C'est dis donc, pour un débutant, tu t'es bien débrouillé, je trouve. Hein. Deux. Oh putain. Ouais, tu vois la tête. Il faut le casser là. Non, 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 on va le sortir ça. Le sortir tel quel. Mais si, mais si, recule. Je suis là, hein. Merde. Ah, il y a un trou, ça va être chiant. Ouais. Ouais. Deux, trois. Il faut le soulever là. Ouais, il faut le casser à la massette, le feuille se coupe en deux là, en après, trois. Si on arrive à la oui, même là, là, le fera là, ouais. Quand tu veux. Hein. Un. Attends, attends. Ah, tu veux soulever. Te coince pas les doigts, hein. D'accord, tu es prof de maths, mais tu as besoin des doigts. Hop. Un, deux, trois. Attention, recule, recule, recule. Il est bon ce Léo quand même, hein. Et n'indique pas ma seule corde que j'ai de désormais. Oh. Je t'en passerai les cordes, c'est ça. Ah mais j'aimerais que tu m'en passes, mais tu sais que des promesses. Hein. Oh là là là. Un, deux, trois. Putain, c'est beau ça. Ça va faire de la place, effectivement. Un, deux. Ouais, et là, tu le casses, là. Arrête un peu. Cinéma, là. La massette. On peut le mettre sur le côté, là. Non, mais la massette, tu coupes oui, les deux tiers, là. Oui, à ce niveau-là, oui. La place pour taper. Tu sais, ces jeunes, il leur faut toute la place, quoi. Vers le sang qui gicle dans les oreilles. Tête en bas. Déjà, oh, putain. Et voilà, et ça. Voilà, c'est. Il faut que tu les mettes en porte-à-faux. Ici, il appuie partout, ça absorbe le choc. Par contre, si tu peux le caler un peu en hauteur, fais un porte-à-faux, t'es, voilà, tiens, un morceau de plus, là. Voilà, là, 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 tu peux y aller. Là. Ferme les yeux. Non, mais pas sur la tranche. Ah, ben oui, la tranche, c'est pas mal aussi. Il s'entraîne pour faire les murets, là-bas. Cantal. Ça se roule, ça. Hein. Oh, c'est déplaçable. Hein. Ouais, allez, c'est bon, ça. Allez, hop. Il y a presque du marbre. Hein. Ouais. C'est très beau. Bon, allez, tu peux reculer. Et moi, j'essaie d'éteindre. Alors, voilà le travail d'aujourd'hui. Bon, c'est un peu juste encore, il faut tout reprendre. Un bon courant d'air, quand même. 14 degrés. Ouais. Ça a été efficace, incongru, efficace. Alors ici, on a trouvé un second piège. Un et un second. Les bêtes qui sont venues se traîner là pour mourir, certainement. Oh, bon courant d'air. Ah, il faut tout reprendre. Et là, on voit que c'est large quand même. Et là-haut, 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 pour le moment, encore un petit peu de mètre cube à retirer là. Courant d'air vient d'où? Ça vient d'avoir là aussi du courant d'air. Là, il y a quoi? Un pilier de calcite.
Putain, c'est le courant d'air en plein dans la gueule. Hein. Bon, on verra ça la prochaine fois. Parce que là... Là, il faudra aller voir. Et bien sûr, hein. Mais ça, je vais enlever la caméra parce que ça m'empêche de voir, moi, la caméra. Allez, hop, paf. Suite au prochain.